Bonjour à tous et à tous, salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sur la super archère, sur le super archer, sur la nouvelle troupe qui est sortie cette semaine les amis. Encore une fois, voilà, on force un petit peu avec les vidéos sur la super archère, mais c'est la nouvelle troupe, c'est normal, comme ça au moins vous pouvez voir un petit peu ce qu'elle vaut et un petit peu eh bien les capacités qu'elle a. Donc on va regarder dans cette vidéo les amis, une vidéo sur la chaîne de Gaming with Arman, dans laquelle il compare la super archère versus toutes les troupes. Vous kiffez ce style de vidéo normalement, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous en voulez plus, n'hésitez pas à nous faire péter la barre des pouces bleus. Et surtout les amis, dites moi dans les commentaires à votre avis, votre pronostic par rapport à cette vidéo. Est-ce que la super archère va pouvoir détruire toutes les autres troupes ou pas du tout? On va voir ça du coup durant cette vidéo. N'hésitez pas également à aller vous abonner à la chaîne de Gaming with Arman, vous avez le lien en description. Et surtout les amis, n'oubliez pas de rentrer le code créateur Alex Calibur, vous avez le lien également en description. On est parti, on commence directement, let's go. Ok les amis, donc on est parti directement sur le premier 1v1. On est parti, super archer contre le barbare. Voilà, bien évidemment c'est le super archer qui l'emporte. Super archer contre un barbare, contre un super barbare cette fois. Et voilà, là c'était le super barbare, c'était évident. Hop là, super archer contre un archer normal. Bon, il se fait one shot, il s'est fait détruire le pauvre archer. Ouf, super archer contre un géant. Alors là à mon avis, le géant il va le goumer. Le géant il va le goumer quand même. Oh, quoique, le géant qui met pas tant de dégâts que ça. C'est vrai que le super archer a quand même pas mal de vie. Est-ce que ça va le faire ou pas pour le super... Ah, franchement il lui a mis cher. Franchement il lui a mis cher. Je pense pas qu'il mettrait aussi cher. Mais là où c'est intéressant en fait, le super archer, c'est même pas contre une troupe comme ça normale. Ça serait contre une rangée de troupes en fait, parce que du coup elle pourrait détruire toutes les troupes d'un coup. Donc c'est hyper intéressant contre le super... Oula, désolé les gars, j'éternue en pleine vidéo, vous inquiétez pas, j'ai pas le corona. Bref, j'y vais contre le super géant, il l'a détruit directement. Contre le gobelin cette fois-ci, c'est la super archère qui a gagné. Oh, contre le super gobelin, et ben là du coup en fait la super archère a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, qu'elle était déjà morte. Oh là là, c'est triste, oh là là c'est triste. Ok, super archer contre sapeur. Oh, le sapeur a même pas eu le temps de péter qu'il était mort. Ok, super archer contre super sapeur, cette fois-ci il va exploser. Du coup ça va être les deux qui vont mourir, mais non, la super archère qui survit les amis. Donc c'est la victoire de la super archère ici. Pour le moment c'est serré en soi. Super archère contre ballon. Alors là faut voir, parce qu'à mon avis le ballon, s'il a le temps de mettre un coup, il a one shot, voilà. C'est sûr, mais si jamais la super archère avait pu détruire le ballon avant, ça aurait pu être lui du coup. Ça aurait pu être elle qui gagne, pardon. Ok, contre un sorcier, oh. Eh ben je pensais pas, mais c'est la super archère qui gagne contre le sorcier. Ok, d'accord, très bien, contre le sorcier de fête cette fois-ci. On rappelle qu'il y a moins de vie et donc voilà, bien évidemment il s'est fait one shot du coup. Le sorcier de fête ici, super archer contre guérisseuse. Oh là là, mais je me demande vraiment qui va gagner. On se pose tous la question les amis. Bien sûr, voilà, la guérisseuse elle peut rien faire frérot. La guérisseuse elle attaque même pas. La guérisseuse juste, elle guérit. Donc là pour le coup ça va pas passer. Et voilà, c'était sûr, mais c'était sûr en fait, comme dirait Sardoche. Ok, contre un dragon, bon, le dragon là clairement il va la carboniser, c'est évident, voilà. La victoire du dragon, on s'en doutait tous. Hop là, on va enlever la petite pub. Super archer contre PK, oh là là, je me demande vraiment qui va gagner. Allez, le one shot du PK, boum, c'était évident aussi. Après là c'est pas trop comparable parce qu'on est quand même sur des troupes qui prennent 20-25 places et tout. Donc là quand même, c'était évident que ça allait gagner. Par contre le baby drag, ouais le baby drag, le truc c'est qu'il a enragé. Du coup il triche, vous voyez, un baby drag tout seul comme ça c'est de la triche. Ok, contre, oh, contre le dragon de l'enfer cette fois-ci, intéressant. Bon, le dragon de l'enfer l'a clairement détruit. On a vu les amis dans une des dernières vidéos que le dragon de l'enfer était beaucoup trop fort contre d'autres troupes. Donc là clairement la super archer pouvait rien faire. Cette fois-ci contre le mineur. Ok, on va voir ça. Let's go, let's go. Ah, c'est la victoire du mineur. C'est la victoire du mineur quand même. Jean mineur, Bob le mineur, il a quand même gagné. Ok, bon, contre l'électro, clairement. Là, la super archer va se prendre une espèce d'éclair. Voilà, ça va la one shot. C'était évident. C'était obligé, c'était sûr. C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. Ok, cette fois-ci contre le Yeti. Alors là, ouais, non, là, il va faire sortir ses Yeti mythes et il va la goumer. Il va la goumer, il va la goumer, voilà, c'était sûr. C'était obligé, c'était obligé. En vrai, on peut voir en soi que la super archer, elle tient quand même, mais pas contre des grosses troupes, ce qui était évident parce qu'à la base, c'est quand même pas une troupe de tank, loin de là. Mais en fait, là où je pense que la super archer est hyper intéressante, c'est quand il y a par exemple un groupe d'archers ou alors quand il y a un groupe de gargouilles ou quelque chose comme ça qui arrive. Là, d'un coup, elle doit tout détruire vu qu'elle fait des dégâts, on le rappelle, qui sont perçants, c'est-à-dire qu'elle fait des dégâts sur toutes les troupes qu'il y a dans sa trajectoire sur 12 cases, donc c'est quand même assez énorme. Donc là, clairement, ça peut être vraiment fort. Mais après, contre du 1v1, et ben malheureusement elle fait souvent détruire. Mais encore une fois, à mon avis, c'est pas l'utilité première de la super archère de détruire des grosses troupes, loin de là. Contre le golem, elle s'est fait détruire.
Contre la sorcière, regardez, ça peut être intéressant parce que regardez, elle détruit plusieurs squelettes à la fois. Et en plus, elle a réussi à détruire la sorcière. Là, vous voyez, c'est intéressant parce que la sorcière de tête, il me semble qu'elle prend aussi 12 places comme la super archère. Donc là, du coup, c'est intéressant. On peut voir, du coup, l'utilité, elle est quand même plus forte qu'une sorcière qui prend également 12 places. Donc là, par contre, on peut voir clairement que c'est hyper intéressant. Par contre, contre la super sorcière, frérot, elle prend 40 places. Bien évidemment que la super sorcière, elle détruit la super archère. C'était obligé. Contre le molosse, cette fois-ci, alors là, ça va être très très long vu la cadence de tir du molosse et surtout la puissance qu'il a le molosse, ça va être très très long. Mais après, dans tous les cas, on sait que c'est le molosse qui va gagner parce que même s'il pop, dans tous les cas, les roquets, il va vous faire qu'une bouchée de la super archère ici. Mais je pense que même le molosse tout seul, ouais, même le molosse tout seul va détruire cette super archère, même sans l'utilisation des roquets. Donc là, clairement, voilà, hop là. Plus qu'un coup du molosse, allez, let's go. Voilà, malheureusement, la super archère qui meurt encore une fois. Quelle déception. Oh, intéressant, Bullis contre super archère. On est quand même sur les deux troupes qui ont la même mécanique, c'est-à-dire que les deux troupes ont un rebond. Et c'est la super archère qui l'emporte contre le Bullis, on s'en doutait un petit peu. Mais du coup, ouais, c'était intéressant à voir ça, parce qu'on rappelle que les deux, du coup, ont une mécanique où ça ricoche et où, du coup, ça tape les troupes qu'il y a derrière. Oh, contre le golem de glace. Pour moi, ça va être le golem de glace, parce que le golem de glace, du coup, qui va vraiment beaucoup ralentir cette super archère. Regardez comme elle est ralentie, elle peut quasiment pas tirer. Elle peut quasiment pas tirer, frérot. Et voilà, la super archère qui meurt, malheureusement. GG au golem de glace. Et du coup, il nous manque quoi comme troupe? Il nous manque la nouvelle troupe, les amis. La chasseuse de tête. La chasseuse de tête, du coup, qui pareil. Regardez comme elle ralentit la super archère. Wow, c'est un délire. Elle pouvait même plus tirer à la fin. Ah ouais. Et du coup, les amis, c'est la chasseuse de tête qui l'emporte pour ce dernier versus. Et du coup, on peut voir, voilà, encore une fois ici, les statistiques de cette super archère. Et ça va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, les amis, vous en aurez appris un petit peu plus sur la super archère. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire péter la barre des pouces bleus. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Vous aurez également la vidéo de base et la chaîne de Harman dans la description. Je vous rappelle également qu'il y a le code créateur Alexcalibur que vous pouvez rentrer sur le jeu, qui me soutient énormément. Merci à toutes les personnes qui font ça, vous avez également le lien en description. C'était Alex, je vous fais des bisous et ciao les amis. A plus, bye bye. Hey, si tu kiffes mes vidéos et que tu veux en voir plus, eh bien n'hésite pas à t'abonner sur le bouton juste ici, là où il y a les flèches là. Allez, je t'attends. T'as également deux autres vidéos sur les côtés, je suis sûr qu'elles vont te plaire. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu également et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et n'oublie pas le code créateur Alexcalibur.